Ne connaissez-vous pas la légende de celui qui se lève avec la pleine lune, la légende du vampire? Bien, l'histoire en question se passe en Angleterre, il y a 100 ans. Il y avait un investigateur du paranormal, un jeune psychologue du nom de Ferdinand Social. Lors d'une nuit de pleine lune, il reçut un mystérieux message, alors qu'il utilisa son tableau de Ouija. Bonjour à tous et à toutes. Je suis allé sur aujourd'hui en trouvant sur un nouveau rétro. Alors il ne s'agit pas de vampire. Alors il s'agit du jeu Vampire, comme vous le voyez, qui est un jeu sur Master System sorti en 92 par Sega. Mais je vais le nommer dans son titre américain. Il s'agit de Master of Darkness. Et comme vous allez le voir, pour les pros NES et Nintendo, ce jeu va vous rappeler un autre jeu qui est sorti dans les années 8 bits. À ce moment à Londres, l'arrivée de la pleine lune signifie déjà la venue d'un autre tueur macabre. La matinée suivante va encore apporter la découverte d'un autre cadavre, complètement drainé de son sang. Le docteur Social sait qu'il y a quelque chose de surnaturel au cœur de ce mystère et se met à enquêter. A l'aide des pouvoirs de son tableau Ouija, Social apprend qu'ont lieu d'horribles événements sur la rivière Tam. Mal à parler. Donc Round 1, la rivière Tamès. Et là oui, pause, ce jeu, comme vous le voyez, est une reprise de Castlevania sur NES. Alors comme vous le voyez, attention, ça va être nous avons le high score tout en haut, le score tout en bas, la vitalité en bas. J'ai pour l'instant un bouton pour sauter, un bouton pour attaquer, je n'ai qu'une arme. Donc c'est le tableau 1-1, le temps qui se décompte, j'ai 2 points de vie. Et c'est tout, voilà. Sauf que contrairement à Castlevania, en fait des sauts, vous pouvez vous rattraper en plein cours. Et ça commence avec ces chauves-souris que je haïs de tout mon être. Alors là, un ennemi, et là ceci ce ne sont pas des ennemis, c'est parce que ce sont des espèces de là, comme dans Castlevania, ceci en fait, si je me trompe pas, ce sont des on pourrait les comparer à quoi, je me suis pris un dommage, merde, ça c'est le point, ah non c'est un objet qui détruit tous les monstres, on pourrait les comparer à quoi, on pourrait les comparer, j'ai raté une arme, tant pis. On pourrait les comparer au chandelier, voilà. Voilà. Alors chaque ennemi étant différent, évidemment. Alors là, c'est une potion, trop bien, qui permet de récupérer de la vie. Et alors pour descendre les escaliers, c'est là où c'est un peu plus chiant. C'est qu'au lieu de faire bas, vous devez faire bas diagonale. Par exemple, là je descends, je fais bas diagonale droite. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je me suis pris un dommage, trop bien. Et ce jeu, à part les grosses références à Castlevania, notamment dans son gameplay,
C'est un soft que je vous conseille de jouer pour le pour vous faire une idée. Surtout que là, dès que l'on tombe dans là, dès qu'on tombe, on peut se rattraper. Pas dans Castlevania où si vous tombez, bah vous tombez comme une merde, sans possibilité de vous diriger. Le jeu est plus fluide déjà. Les musiques sont bien, mais sans rappeler les années Castlevania. Après, je ne sais pas, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu d'autres jeux Master of Darkness. Alors là, j'ai une arme optionnelle. Donc là, c'est comme dans Castlevania, c'est O plus la touche d'attaque pour tirer. Oula. Alors par contre, cette arme est extrêmement nulle. Là, ce sont des points. Fais attention à ne pas se faire prendre par le chien. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Alors attention, est-ce que je teste un truc de bâtard? Genre ça. Ouais, ah oui, c'est vrai. On peut traverser les éléments du décor. Ça, c'est bien. Et on peut cumuler aussi les armes. Par exemple, là, vous voyez, j'avais deux fois. J'avais le pistolet, j'ai récupéré des balles de pistolet. Donc là, je pense que je devrais bientôt arriver au boss. Là, je récupère des bombes. Voilà, des bombes qui insta, qui one shot hélas en quantité limitée. Voilà, c'est la fin du round 1-1. Je vais juste vous montrer le premier round pour vous faire une idée sur ce que va être tout le gameplay du jeu. Alors, les zombies qui sortent de la flotte, je suis pas sûr que ça ait une quelconque cohérence. Ah, et là, nouvelle arme, une rapière, une arme plus longue. Donc là, vite, on se dépêche. Ah, là, par contre, je me sens un peu baisé. À moins que... Olé ! Alors là, ouais, on peut passer par au-dessus. On peut faire traverser l'arme par-dessus le décor. Je ne suis pas sûr que ça augmente la portée ou quelque chose, ça. Ah oui, alors ça, c'est le faux plafond, trop bien. Enfin, le faux décor. Faux mur, voilà. Merde, j'ai pris une arme de merde. Ah zut! Et en plus à courte portée. Est-ce que je peux faire... Non, ça ne marche pas évidemment. Ah, la potion. La potion de vitalité. Je prends tellement de dommages là par contre. Sévère dans mes dents. Bon, en espérant que ce masque là va m'apporter quelque chose de mieux. Ah, je découvre qu'on peut faire ça. On peut utiliser l'arme secondaire en l'air. Des bombes, je prends. Les bombes ça one shot, mais c'est lent. Mais ça one shot. Olé, je crois que je t'ai pas vu venir. Oui, ça je prends. Alors là, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, alors chose que vous allez voir maintenant, c'est que si je descends d'un tableau, et eh ben je ne meurs pas. Là je saute juste, voilà. Par contre j'ai raté la vie. Et je me suis pris un petit hit. Ce n'est pas grave. Oh là, l'esquive.
Toi, tu décèdes par contre. Alors là, par contre, ça va aller vite. Voilà. Faire très attention. Un poignard, non. Inutile. Je vais continuer à monter. Des bombes, allez, plus de bombes, pourquoi pas. Ah, j'arrive pas à la voir, c'est pas vrai. Voilà. Olé. Le petit frayeur de fin de stage. Et on arrive donc au troisième, donc le dernier avant le boss. Enfin, ou celui du boss. Une HAO, alors là c'est complètement Paypon de Castlevania. Sauf que là c'est une arme au cac. C'est agi comme une arme principale. Donc on a j'ai pu vous montrer pour l'instant pas mal d'armes. Donc il y a le en arme principale, nous avons le revolver, l'espèce de bâton d'escrime là. Enfin, le poignard. Ah, je me prends cher dans mes dents. Là, je sais que... Voilà. Là, je prends tellement cher dans mes dents, par contre. Qu'est-ce que je dis? Oui, le bâton d'escrime. Les ennemis car pop. Vas-y, plus de hache. Alors, attendez, que je me souvienne. Il y a la hache, le poignard, le pieu, l'épée d'escrime en arme principale. En arme secondaire, il y a les bombes. Le revolver, et c'est tout ce que j'ai pu vous montrer pour l'instant, je crois. Olé, l'esquive, qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, meurs. Ouais, je pense que c'est mieux. Là, par contre, il me faut la potion de vitalité. Je suis sûr qu'elle est là. C'est une vie. Hop là, la vie. Alors, est-ce que je vais la toucher? Est-ce que je vais la toucher? Non, même pas. Vas-y, je vais la toucher. Alors, attention. Voilà. Là, par contre, je me sens un peu con avec mon petit couteau. Putain, mais franchement, c'est quoi ces dégâts de merde? On n'a pas honte. La potion de vitalité, parfait. Putain, c'est une honte avec cette arme. Allez, par contre, donne-moi une bonne arme. Oui, la hache, parfait. C'est déjà mieux. C'est déjà plus crédible, surtout pour un tueur de... Ah, le boomerang en arme secondaire, qui ressemble étrangement à la croix. Sauf qu'elle, elle fait un petit mouvement... Putain, bah oui, elle tombe devant moi. Elle fait un petit mouvement qui passe juste au-dessus. Et elle ne traverse pas l'ennemi. Ce que je qualifie ça de complètement dégueulasse, monsieur l'arbitre. C'est mal fait, je suis désolé, zéro. Alors attention, est-ce que ça marche? Ah, ça remonte pas assez. Ah, je me suis fait dégommer. Je me fais dégommer, il est trop rapide ce chien. Oh, bah, j'ai récupéré les points, tranquille. Tiens, décède. Coup de hache dans la jambe. Et là, ça tue tout le monde. Parfait. Ça fait juste pop un fantôme. Va savoir pourquoi. Non, je veux pas cette arme de toute façon. Et donc là, normalement, c'est le boss. Ah, tu veux m'arrêter? Je ne sais pas qui est ce personnage. Là par contre, je sens que je vais décéder. Il est complètement bloqué par les boomerangs. Là par contre il est bloqué. Il est à ma merci. Et voilà, il est mort. Combat intense. C'était génial. Donc, trop round infini. Et la suite de l'histoire,
Alors tu as pu vaincre mon Jacques l'éventreur. Très bien. Tout ce qui s'est passé ici était sous mon contrôle. Et ce que tu as pu voir jusqu'ici n'était que le début du cauchemar. Va donc au musée de cire, si tu l'oses. Mes poupées de cire t'attendront. Peut-être seras-tu mon prochain chef-d'œuvre de cire. Il me faut un remplin sang pour Jacques l'éventreur, après tout. Et ça donne lieu du round 2, la maison de poupées de cire. Que je ne ferai pas, voilà. Parce que il faut que vous découvriez le jeu vous-même. Mais je pense vous avoir montré le gameplay entier du jeu. Ça va consister comme un Castlevania. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle quand même que RomStation est dans la description, c'est totalement gratuit. C'est là où je trouve quasiment tous les jeux que je vous présente. N'hésitez pas, la ROM est disponible en français. Merci à tous. N'oubliez pas les likes, les commentaires, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller regarder les autres vidéos, d'aller me suivre sur Twitter en @Rayus1. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.